s'adresse foncièrement aux écrivains. Où allez-vous chercher vos idées? Vous écrivez à la main ou vous travaillez sur ordinateur? Et puis, pourquoi écrivez-vous? En fait, c'est peut-être seulement la troisième qui nous chagrine. Les deux premières sont des questions de confort visant à détendre l'atmosphère quelques minutes pendant les séances de questions-réponses qui suivent une lecture publique. Mais pourquoi écrivez-vous? C'est une autre affaire. Certains diront que la question est d'une ampleur qui exclut d'y répondre. Alors à quoi bon la poser? Personnellement, je ne suis pas d'accord. Les questions sans réponse sont les seules véritablement intéressantes. De toute façon, j'ai une réponse toute prête, élaborée et fièrement énoncée depuis des années. Et en général, elle passe très bien. Ou en tout cas, elle comble un silence. Ma réponse, c'est parce que je suis malheureux quand je n'écris pas. Elle appelle naturellement d'autres questions, mais avec un peu de chance, on a en face de soi un intervieweur qui, au nom du tact, s'abstiendra de les poser. Pour autant, j'ai décidé d'y renoncer à cette réponse. Je crois avoir trouvé une meilleure contre-attaque, le retour à l'envoyeur. Et vous, pourquoi lisez-vous? La question est tout aussi importante après tout. Je ressens comme vraiment accusatoire le pourquoi écrivez-vous. J'y entends un rappel à l'ordre pour avoir commis un geste d'une présomption indicible. Mais si l'acte d'écrire est en effet présomptueux, s'il est une affirmation de soi, l'acte de lire, et a fortiori de lire de la fiction, n'est pas au-dessus de tout soupçon non plus. On reproche souvent à la lecture d'être une perte de temps et un leurre. Peut-être cette idée me vient-elle parce que j'ai tout juste achevé mon travail sur B.S. Johnson. C'est original qui allait jusqu'à affirmer que raconter des histoires, c'est raconter des mensonges, et que les écrivains qui inventent, contrairement à ceux qui racontent leurs histoires personnelles dans les moindres détails, ne sont que des charlatans sans moralité. Ce que je veux dire par là, c'est que nous tous, écrivains et lecteurs, pour ne rien dire des éditeurs, des libraires et des animateurs d'ateliers d'écriture, sommes partie prenante dans un jeu équivoque. Un jeu de tricheurs et de dupes, une conspiration du récit dont il pourrait se révéler fatal de questionner la légitimité morale ou l'objectif de trop près. En attendant, ceux qui se trouvent hors du cercle ne peuvent guère avoir idée de ce qu'on vit à l'intérieur et à quel point tout y revêt un caractère d'urgence, devient une question de vie ou de mort. Par-dessus tout, l'écrivain a besoin d'un noyau dur de croyance en soi, à ne pas confondre avec la classique confiance en soi. Cette croyance en soi est d'une intensité et d'une étanchéité tout enfantine. Beaucoup d'enfants la possèdent d'évidence, je le vois chez ma fille aînée Mathilda, lorsqu'elle est recroquevillée à la table de cuisine pour écrire des histoires avec les mots qu'elle vient à peine d'apprendre à former. Il ne lui vient pas à l'esprit qu'elle pourrait faire meilleur usage de son temps. Sans doute étais-je comme elle quand j'avais dans les 8 ans et que je passais des heures de beau temps confiné entre 4 murs pour écrire un pseudo-roman policier victorien intitulé « Le château du mystère », truffé de fins de chapitre haletantes et de détails historiques singuliers. Le roman contenait, je m'en souviens encore, cette phrase improbable « En un clin d'œil ». Il avait dégainé sa victoire. Quand j'avais 22 ans, j'ai perdu mon grand-père, emporté par un cancer de la prostate. Ce fut sans doute l'épisode le plus douloureux d'une vie qui, jusque-là, m'avait presque miraculeusement épargné la souffrance physique comme le chagrin. Il était membre de la famille dont je me suis toujours senti le plus proche. L'humour était un lien fondamental entre nous, car il possédait une ironie non dépourvue de chaleur humaine parcourait son être, toujours prête à affleurer. Nous regardons ensemble les émissions de Dave Allen à la télévision. Elle nous faisait rire aux larmes. Je ne saurais pas dire s'il était véritablement cultivé, mais il aimait les nouvelles de Woodhouse et les aventures de Sherlock Holmes. Et il tentait vagabond de lire quelques romans contemporains qu'il empruntait à la bibliothèque municipale et rendait le plus souvent, après en avoir lu la moitié, en secouant sa vieille tête sagace d'un air perplexe ou consterné. Les
sous le vent de notre caravane, encore moins du nord, on n'a pas idée, je tapais un roman à tout va. Il avait vu par-dessus mon épaule que mon personnage principal buvait du vin dans un verre à pierre. C'est bien peu vraisemblable, avait-il observé. Il avait tout à fait raison, ce qui ne m'a pas empêché d'ignorer son avis. 7 ans plus tard, alors que sa maladie prenait un tour fatal, je lui ai confié que mon premier roman était revenu une fois de plus avec la mention « refusée ». Il m'a dit ces mots que je n'ai jamais oubliés. « Écoute, John, deviens prof de fac. Trouve-toi un bon poste. » Je sortais de Cambridge. À ta place, je remiserai l'idée d'écrire pour un bon moment. Une fois de plus, il avait tout à fait raison. Et une fois de plus, j'ai ignoré son conseil. Il était parfaitement fondé à un certain niveau, dicté par le bon sens et par la compassion. Mais je suis content de ne pas l'avoir suivi. Parfois, animé du même bon sens et de la même compassion, je pense à tous ces gens d'un bout à l'autre du pays qui répandent leur âme sur le papier. Qui envoient leurs livres prendre la mer sur une passoire, comme l'a si joliment dit Muriel Spark. J'ai fort envie de leur donner le même conseil, seulement voilà, je serais bien fâché qu'ils le suivent. D'ailleurs, je doute fort qu'un seul d'entre eux le ferait.